Écoutons les textes de ce jeudi 28 septembre. Lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Gaël Dotiamou de la Société des Missions Africaines. Commenté par le diacre Christian Apia de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Agée. Chapitre 1er, versets 1 à 8. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qui proclame les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire, année A, l'Évangile présente le roi Hérode qui s'étonne de l'activité de Jésus et s'interroge. Qui est donc celui dont j'entends tellement parler? L'identité de Jésus ne cesse de poser des questions jusqu'à nos jours. Avec Hérode, beaucoup s'interrogent aujourd'hui encore. Qui est-il cet homme qui a entraîné derrière lui tant de croyants? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Comment ose-t-il se proclamer fils de Dieu et Dieu lui-même? N'est-il pas le fils de Joseph et de Marie? Comment peut-il nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Chers frères et sœurs, l'Évangile insiste sur la perplexité d'Hérode face à l'identité de Jésus, une confusion qui traduit certainement l'avidité de ce regard dépourvu de confiance opaque au mystère inattendu de la personne de Jésus. Et il cherchait à le voir. Nous qui sommes chrétiens, quel Dieu recherchons-nous? Un Dieu qui s'adapte aux critères du monde, aux caprices humains? Ou bien aurons-nous le courage de rechercher celui qui a vécu pour nous la passion, de rencontrer celui qui est mort sur une croix pour nous sauver, de suivre celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité, Jésus le Christ notre Sauveur? Beaucoup de personnes, à l'image de Hérode, ne sont pas prêtes à recevoir le message évangélique. Elles sont curieuses des prodiges et des merveilles que Jésus réalise, mais leur disposition morale, religieuse, ne leur permettent pas de recevoir tout le message. Ce sont des personnes dont les choses de ce monde ont obscurci l'âme, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas voir ce qui leur est offert. Ils ne peuvent pas voir ni reconnaître celui qui se tient à la porte de leur vie. Frères et sœurs, cherchons à rencontrer le Christ, à l'imiter. Osons vivre l'amour du prochain. Découvrons Jésus en chacun pour qu'ensemble nous puissions édifier. Et cela se fait à genoux dans la prière. L'Évangile, frères et sœurs, vient aussi tout simplement nous inviter à méditer sur nos actes, sur l'amour que nous disons porter à Dieu et à notre prochain. Quelle est aujourd'hui la qualité de notre amour pour Dieu et notre prochain? Avons-nous pris conscience que comme Hérode, nous pouvons pour satisfaire nos grivoiseries, nos beuveries et nos orgies et toutes sortes de plaisirs que propose le monde, commettre un meurtre, détruire la réputation de nos frères pour finalement nous enchaîner au vice et à la perdition de nos âmes? Demandons au Christ en ce jour de venir nous rejoindre dans nos faiblesses humaines. Avec le psalmiste, prions Dieu d'exercer pour chacun de nous son infinie miséricorde. Apprends-nous, Seigneur,
la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravisse-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Afin que, dans tes parvis, Seigneur, selon ta sainte volonté, nous puissions au jour fixé par toi et vivre pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il allait tomber dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.